Bonjour, shalom à tous. Allez, la vidéo hier tard et aujourd'hui tôt. Mon chéri fait le déménagement. Il finit le déménagement avec un copain, ma soeur. Sympa, toujours présent. Que Dieu le bénisse et touche son cœur. Amen. Il a oublié les clés! Et moi, je dois partir en pyjama vite, lui amener les clés. Voilà, parce que il a une qualité, il est toujours à l'heure. Mais parmi cette qualité, toujours à l'heure, il est trop pressé du coup. Il a oublié les clés. Voilà. Moi, j'ai un défaut, je suis en retard, mais j'essaye de penser à tout. On a chacun nos qualités, nos défauts. Amen. Que Dieu nous aide à nous mettre tous en équilibre, que chacun enlève ses défauts et prenne les qualités de l'autre. Soyons à l'heure sans oublier rien, sans être trop pressés non plus. Soyons à l'heure, que je sois à l'heure. Psaume 20, psaume 20, la suite, psaume 20, tout petit, tout petit, tout petit. Psaume pour David, donné au maître chantre. Que Yahuwah te réponde au jour que tu seras en détresse. Que le nom du Elohim de Jacob te mette en une haute retraite. Qu'il envoie ton secours du Saint-Lieu et qu'il te soutienne de Sion. Qu'il se souvienne de toutes tes oblations, qu'il réduise en cendres ton holocauste. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il fasse réussir tes desseins. Nous triompherons de ta délivrance et nous marcherons en signe déployé au nom de notre Elohim. Yahuwah t'accordera toutes tes demandes. Déjà, je connais que Yahuwah a délivré son Messie. Il lui répondra des cieux de sa sainteté, la délivrance faite par sa droite et avec force. Et avec force, et avec force, 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 force. Une délivrance avec force. Les uns se vantent de leur chariot, de leur voiture, des luxes, et les autres de leurs chevaux, de leurs motos. Mais nous, nous nous glorifierons du nom de Yahuwah, notre Elohim. Amen. Ceux-là ont ployé et sont tombés, mais nous, nous nous sommes relevés et soutenus. Yahuwah délivre! Que le roi nous réponde au jour que nous crierons! C'est pas le roi, c'est pas le président d'aujourd'hui. Hein. Ouh là là, il va pas nous répondre et nous délivrer celui-là. À moins qu'il parvienne à la repentance. Prions pour qu'il se repente. Sinon, c'est le jugement qui l'attend. Proverbe 3, versets 31 et 32. Ne porte pas d'envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car celui qui va de travers est en abomination à Yahuwah, mais son secret est avec ceux qui sont justes. Alors avec le proverbe 3, verset 31, j'ai un beau souvenir et j'ai les larmes aux yeux, ça y est. Enceinte, on pleure tout le temps pour rien, enfin pour rien. On est ému vite, que ce soit de joie ou de tristesse. Mais ouais. Ce psaume-là, 31, verset 3, verset 31, n'envie pas les gens violents et n'imite pas leur conduite, car le Seigneur déteste ceux qui se détournent de lui, mais il donne son amitié aux hommes droits. Donc mon beau souvenir, c'est avec mon grand Samuel qui était petit. Il démarre au quart de tour et petit, il a souvent eu... des problèmes à l'école de violence, qui tapaient les autres ou qui répondaient, hein, et avec des cris ils répondaient, donc les autres pouvaient esquiver vu que ils n'étaient pas vus, mais lui, quand il se faisait taper, ben déjà il criait, oh! Donc il se faisait remarquer, et après il rendait le coup forcément, voilà. Et donc il se faisait toujours attraper. Et un soir, après encore qu'il y a eu une bagarre, ben, quand on lisait la Bible, c'était tombé sur ça. Et puis alors, il avait recopié dans son cahier, Dieu m'a parlé. Il avait recopié ce proverbe. Je ne sais plus quelle classe il était, à l'école primaire. Hein.
N'envie pas les gens violents et n'imite pas leur conduite. Mais combien c'est dur de ne pas répondre. Moi la première. Moi la première. Ouais. Moi la première à cause des mots qui sortent de la bouche. Je déteste les gros mots. Je déteste les gens vulgaires. Du moins, je déteste pas la personne, mais je déteste, pardon, la vulgarité, voilà. Voilà, ah Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tous tes bienfaits. Je vais rentrer dans le bac. Je te remercie parce que c'est encore toi qui, voilà, qui a permis qu'on ait cette journée de vie. Je respire, mon cœur bat, je vois, j'entends, je parle, je comprends. Mon corps fonctionne correctement. Merci. Merci Seigneur. Merci pour la vie. La vie qui vient de toi. Tombe pas téléphone, je démarre. Boum, tombe quand même. Hop là. Je te remercie Seigneur et je prie que dans cette journée, bah, tu bénisses chacun. Chacun là où il est. Ou s'il regarde. À la fin de la journée, mec. Tu bénisses sa nuit, amen. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, éternel, tu me gardes. Il ne veille ni ne dort, celui qui garde Israël. Nous sommes l'Israël de Dieu, les croyants. Il ne s'agit pas vraiment d'un pays, encore moins de politique, de race. Il s'agit de l'Israël de Dieu, la foi. Parce qu'il s'est choisi un peuple, mais il appelle toutes les nations à venir à lui. Il a commencé là, et il appelle toutes les nations. Voilà. Merci Seigneur. Merci, merci, merci de faire rentrer toutes tes brebis dans ta bergerie. On sait qu'elle ne rentrera pas tous, mais on prie pour cela. On prie que tu touches les cœurs, que tu touches des cœurs. Au milieu de notre famille, au milieu de nos amis, au milieu de nos collègues de travail. Partout là où nous allons, nous puissions être un témoin, Seigneur, dans ce monde de ténèbres, dans ce monde de mensonges, que nous soyons des hommes et des femmes de vérité, transparents. Ne cache pas des choses. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, merci pour ta fidélité, merci pour ta patience qui est notre salut. Merci, merci, merci pour cette œuvre de rédemption parfaite accomplie à Golgotha. Le sang du Machiav n'a pas coulé pour rien. Je te remercie et mes mots sont toujours trop petits. En retour, je veux te suivre, en retour, je veux te servir, en retour, je veux chercher à te ressembler, toi, doux et humble de cœur. Enlève tout ce qui n'est pas à ta gloire en moi, en chacun de nous, Seigneur. Que chacun se remette en question, moi la première, mon Dieu, je suis, oui, ton enfant. Mais s'il y a des choses qui ne te plaisent pas, combien je prie que tu me les dévoiles, les révèles. Je ne veux pas rester ignorante. Faute de connaissance, mon peuple périt. Est-ce que nous sommes en train de périr à cause que nous ne reconnaissons pas, nous admettons pas notre péché? Et oui, il n'y a pas un seul juste. Tu ne peux pas dire, moi je n'ai rien fait de mal, je ne tue pas, je ne vole pas. Non, non, il n'y a pas que le vol et le meurtre. Là, il y a les mauvaises pensées, il y a les mauvaises paroles, il y a les mauvais désirs, il y a les mauvaises motivations. Tu peux faire des choses bonnes, mais qui ne te sont pas demandées. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Il faut être dans la volonté de Dieu. Et nous ne devons pas faire ce qui nous plaît à nous. Nous devons faire ce qui plaît à Dieu. Oui, il y a toujours un travail pour chacun d'entre nous qui ne nous plaît pas forcément. Et pourtant, si c'est ce que le Seigneur nous demande, alors il faut prier qu'il nous donne le bon plaisir, le désir de faire ce qui lui plaît à nous, non ce qui nous plaît à nous. Le cœur est tortueux, c'est ta parole qui le dit et c'est vrai. Non, alors on a l'habitude que le monde dit, écoute ce que ton cœur dit. Non, le cœur est tortueux. Le cœur a des mauvais désirs, a des mauvais penchants. Il y a une guerre entre l'âme et l'esprit. Et les désirs du corps, oui, il y a une guerre, il y a une guerre. Nous devons grandir dans le souffle sacré, l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Il faut que je meure et que tu vives en moi, et que tu vives en moi, et que tu vives en moi. Mort au péché, mort au désir charnel. Grandis en moi, grandis les choses d'en haut, les choses invisibles, que les choses spirituelles prennent plus de place dans ma vie, car c'est elles qui ont le plus d'importance. Merci Seigneur.
Et que l'amour grandisse, car c'est le don principal, le premier, le plus important. Amen. Soyez bénis, bisous. Ah, 10 minutes. Ciao. À demain.